Divalo, Nahaltus. Oui, je sais, j'en suis désolé. Vous nous commencez l'interview ? Nihin Prahik, Kaharidos. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Zou Dovakin, Ivlahukdos, Kondul Polmahu, Pahatul Nakutix, Molek Baldunis, Boetia Kahaltus, Olkendol Sangin, Ikinaret, Nivlahak, Kinat, Kulikulum Vitae. Très impressionnant, monsieur Dovakin. Pouvez-vous nous dire en quel jour se déroule cette interview ? Certains d'entre nous ont déjà une notion du temps dans le futur. Ivraham Okdos, Atlefeu. Uliel Septim, Yolda Amos Septim, Nimalak. Septimos, Navlihik. Monsieur Dovakin, nous avons pris connaissance tout à l'heure de votre formidable curriculum vitae. Mais une question subsiste. Qui êtes-vous ? Que faites-vous dans la vie de tous les jours ? Quel est votre métier ? Snavlo autos, nivla actunis. Nivla aslat, tuk, nimalo. Minas konik, minas tahiro, minas vuli. Minas pascal tahuhulik, kinalet malo. Malo kinas, kinas kunum. Kinas katuk. Minalo kinak. Keizal mauluk. Minalo kalo. Minalo kalo kaleti. Nikali snaluk. Dova keizal malik. Malik dova. Dova malik. Ok, alors vous le contrôlez par la gauche, et moi, je me le fais au katana, putain. Ok, attendez, mais... pour les Français, là. Alors oui, c'est un peu compliqué, mais en fait, là, je sais pas encore que je suis l'enfant de dragon, techniquement. Donc, du coup, je sais pas non plus parler le draconique. D'accord. Mais, je repense juste un petit truc. On est bien dans votre flashback. Alors, oui. Ouais. Tout à fait. Alors, pourquoi, lors de l'interview, parler en draconique, si vous connaissez le français? Et en fait, il y a une explication très simple. Snivla dumis, nahuhul timos talik. Nimalo, tahuhul tik. Numa nihishtihi dova. Nimalo, nahul tik. Divalo, nahul tiko, namila. Nimalo, takik, talik, nimak, nalut, tum. Joe! Alors en fait, c'est un peu technique. Et si vous voulez, on lui a appris. À concentrer en fait toute l'énergie céleste cosmique dans le but de produire un cri. Comme on peut le voir sur cette superbe feuille A4, si on concentre la magie présente dans n'importe quel corps humain au niveau du diaphragme et qu'on relâche d'un coup, on peut obtenir une décharge d'énergie suffisante pour... Dimalat Akatosh, Dimalat, Miarkinas. Mais dis donc, petit con, t'as qu'à leur expliquer, toi, hein? C'est facile de me prendre hors champ et de me dire vas-y, explique-le ça, démerde-toi là, hein? T'as qu'à leur expliquer ta connerie là. Moi j'aimerais bien t'y voir là. Hein, monsieur, je sais tout, je prends tout là parce que je suis l'enfant de dragon là. Zoutoum ! Zoutoum ! Ouais, ouais, bah ouais, vas-y, bah crie. Je suis sûr que t'es tellement rouillé que t'arrives même plus à crier aucun mot en étant draconique là. Hein ? Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Navlit Zakim ! Navlit Zakim after effect ! Bah oui, bah t'as raison, ouais. On va te croire. Tu sais plus crier. De toute façon, t'as toujours dit que t'étais nul. Kinaltas ! Naltoni Karanjir ! C'est qui la vieille carte ? Vas-y, ose le dire, vas-y. Slalout, Slalout Takim, Slalout. Monsieur Dovakin, vous allez bien ? Est-ce que vous pouvez nous parler de la géographie politique de votre pays ? Oh, Stradis. Oh, Stradis. Itak. Est-ce qu'Eizal ? Qu'Eizal ? Nitakes natis. Nitakes nimos, pues. Militakas. Militakes nimos, Tibel Septim. Tibel Septim. Italia, Namila. Gulticos. Gulticos. Lastir. Nitakes
Septimal Septim Talos. Talos Natis Nitalae Nate Curriculum Vitae. Oui, alors bonjour, moi du coup c'est Uriel 77. Donc comme l'indique mon nom, je suis le septième représentant des Septimes. Voilà, et je suis empereur, surtout Tamriel, voilà. Alors moi vraiment j'adore manger des... Oui, alors moi donc bonjour, donc moi c'est Merunes Dagon, prince des draps de la destruction, du changement, de la révolution, de l'audace, de l'ambition, ce genre de choses. Et donc moi mon kiff, c'est le bordel. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah de l'extérieur, bah j'ai vu en fait que à l'intérieur de Cyrodiil et Tamriel, bah c'était beaucoup trop organisé, il y avait un empereur et tout, donc je me suis dit, allez, on va tuer l'empereur, on va faire ça bien, et puis ensuite, eh ben, on va ouvrir des portes et on va laisser nos petits démons envahir le pays. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert plein de portes d'oblivion partout. C'était génial, il y avait les villes qui cramaient, c'était excellent. On violait les femmes, on tuait les enfants, c'était parfait, ça foutait un bordel monstre. Salut, bon bah moi je suis le héros de Gvart, j'ai pété la gueule à Merunes Dagon qui est... il a disparu, bon, voilà. Du coup, avec les gardes, on est allé en Oblivion, j'ai fermé les portes, c'était vraiment super. Et une fois qu'on a fermé les portes, et bah, les provinces de Tamriel sont devenues indépendantes. Ça a foutu le bordel et ça a causé la fin de la troisième ère. Et le début de la quatrième. Voilà. Cites Nivla la Hak. Rafinos Namirekok Nihomotek. Rafinos Nitak. Rafinos Namulik. Minalo Nastinok. Rafinos Keizal Nastik. Nastik Keizal Talos Irmalek. Naluk Nistalak Keizal. Zuvlat Kahaltis Ulfrik Samblage. Yun Vendalak, Ken Dehir Parhitum Keizal, Ken Halatak, Somblash Talenkis, Falaltok Minate, Foltarik Monete, Aultik Mon, Ulfrik Somblash, Vendalak Et, Ken Talenkis Lalvienos, Mohal Tahal, Mon, Epitanak, Min, Malal Oet, Tullius Dastis Solatik, Monet, Nivlat Aldu, Zanik Nilatak Samblash Lavienos. Nibalote Alduin Zaluk. Zaluk Akeizal, Ovalo. Dovanaltik, Keizal Nasu. Zuvlarit, Nahihitik. Ouais, Franck, t'es quand même pas arrivé tout seul, hein. Nidramo! Tivra Havlik Nalo, Nivra Hatok. Thank you.
putain les gars, j'ai fait une connerie. J'ai une grosse connerie. Ah bon ? T'as quand même vachement la gueule du Dovahkiin, toi. Ah bon ? Ouais, je t'assure, c'est flagrant, t'as la même gueule. Qu'est-ce que je te dis ? C'est la tête que doivent avoir les gens talentueux. Bon, du coup dis-moi, allez, qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Disons que j'ai peut-être causé un peu la mort du Dovahkiin, hein. Ah merde ! Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, en fait, il s'est disputé avec son vieux maître Argyr, ça a mal tourné, et puis... voilà. Et du coup, il est mort des suites de cette blessure ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Et il n'y avait pas de témoin ? Non, non, il n'y avait absolument personne. On était perdu au milieu de la plaine, il n'y avait personne aux alentours. Absolument personne. Bah du coup, t'as simplement fait ton travail d'historien, on fait pas. Ah bon ? Mais comment ça, y a pas de problème. C'est... On n'a jamais vraiment su quand le Dovahkiin était mort. On sait que c'était peu après qu'il ait tué Alduin, mais les textes n'étaient pas très précis. Apparemment, il serait mort lors d'une bataille qui opposait Sombrage aux Impériaux, mais rien n'a jamais été prouvé. Finalement, t'as juste fait notre travail d'historien, et maintenant on sait qu'il est mort lors d'une interview qu'il menait avec nous, quoi. Mais genre, c'est bon ? Genre, j'ai vraiment pas fait de gaffe, il va rien m'arriver ? Oh putain, yes ! C'est bon, c'est bon. Tu te calmes, tout va bien, t'as pas fait de gaffe. Ok. Ok, c'est bon. En tout cas, l'interview est dans la boîte, tout va bien. Yes, ça c'est du bon travail, ça. Mais donc, c'est bon les gars ? Vous avez réfléchi ? À quoi ? Bah justement, à la prochaine personne qu'on va interviewer. Alors là, très franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, un truc genre le grand Zardor, prince des Altirs, qui a envahi la Terre en 5068, ça pourrait pas intéresser les gens, ça ? Quoi ? Non, non, mais tout le monde s'en fout de ça. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des thèmes intéressants, pas Zardor, sinon tous les livres d'histoire, le savent. Melvin, t'as une idée ? Ouais. Ouais, bah les gars, cherchez plus, hein. Je crois que j'ai trouvé.